What's up guys, Antoine ici à DPR Sans-Froid où on parle de Python Royal. Cette semaine, on parle de reproduction, connaître les bases. C'est une vidéo partie 1 de 3. Si vous êtes prêts, let's go! Donc, on parle de reproduction. Vous êtes acheté un bébé Python Royal, que ce soit un mâle ou une femelle. Évidemment, l'objectif, c'est de les grossir pour éventuellement les reproduire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand est-ce qu'ils sont prêts? Ça prend combien de temps? Et après ça, le processus complet pour réussir à avoir nos premières portées, évidemment, c'est ça l'objectif final. C'est ça qu'on va parler cette semaine et les prochaines semaines à venir. Donc, pour ce qui est des poids de reproduction et des âges de reproduction, pour un mâle, souvent, ben, on va avoir le concept de « Ah, le mâle peut reproduire en 6 mois, c'est super rapide, à 400 grammes, le mâle peut déjà être le père d'une portée. » Oui, c'est faisable, mais est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est le meilleur scénario possible? Loin de là. En fait, avec les années, moi, je me suis rendu compte que les mâles, c'était tellement mieux d'attendre avant de les reproduire. D'attendre qu'ils soient, ben, premièrement, plus gros, plus matures et plus vieux. Ce que ça va faire, principalement, ça va vous permettre d'avoir des animaux qui sont 100% prêts à la reproduction, justement, c'est l'objectif de ce qu'on fait. Et souvent, quand on va reproduire un mâle qui va être trop jeune, donc on parle d'un mâle de peut-être 6, 7, 8 mois, qui va être 400, 500 grammes, qui, oui, va être sexuellement prêt, mais souvent, en étant trop jeune, ce qui va arriver, c'est que bien, parfois, le sperme va être un peu trop faible et va empêcher la portée d'être autant fertile qu'elle le serait avec un mâle plus vieux. Parfois aussi, ces mâles-là vont commencer à reproduire, mais souvent, quand la reproduction commence, ils arrêtent de manger. Et comme ces mâles-là sont plus jeunes, ils vont dégringoler très rapidement. Leur condition va vraiment se détériorer très, très vite. C'est pas l'objectif. Donc, on veut avoir un mâle qui est plus vieux, qui est capable de reproduire plusieurs femelles et de garder un bon poids tout au long de la saison de reproduction. Donc là, on parle pour le mâle. Généralement, moi, je dirais au moins 12 mois. Ça se fait avant, évidemment. Mais 12 mois, c'est quand même un bon point de départ pour la reproduction. Il y a beaucoup d'éleveurs qui font ça différemment, mais moi, c'est comme ça que j'aime le voir. Et encore, si vous êtes capable d'attendre encore plus longtemps que vos mâles, donc 14 à 16 mois, vous allez avoir des animaux qui sont vraiment gros, qui vont parler de 800 à 1200 grammes, des mâles en grande forme et qui sont prêts pour une saison de reproduction complète qui va s'étaler sur plusieurs mois, souvent où ils vont pas manger. Pour les femelles, ben c'est un peu différent dans le sens que les femelles, évidemment, ça prend beaucoup plus de temps à être prêt. La règle d'or, c'est 3 ans. Il y a des femelles qui vont y aller avant, des femelles qui vont y aller après. On a des animaux que ça nous a pris 9 ans avant d'être capable de reproduire, d'autres, ça a pris 18 mois. L'idée en arrière de ça, pour ce qui est des femelles, c'est vraiment la maturité sexuelle. C'est surtout ça qui est important. Et ça, ben, comme n'importe quel autre animal, ben, cette maturité sexuelle-là va dépendre un peu de chaque individu. Il y a des femelles qui vont être matures plus rapidement que d'autres. Et bon, l'idée, il y a une ligne de poids qu'on veut vraiment suivre. On parle de 1500 grammes. C'est pas mal la base pour une femelle. En bas de ça, c'est vraiment moins qu'idéal, surtout si c'est des jeunes femelles. À partir de 1500 grammes, il y a quand même beaucoup d'informations qui nous disent que cet animal-là est prêt à la reproduction. Ça veut pas tout dire parce qu'à 1500 grammes, on peut quand même avoir un animal de 14-15 mois. J'ai déjà grossi des animaux à cette vitesse-là, donc en un peu plus qu'un an, on avait 1500 grammes. Et cet animal-là n'est pas mature sexuellement. Donc, la deuxième partie, c'est vraiment l'âge. Souvent, honnêtement, un animal en bas de 24 mois, je n'irais pas reproduire, je n'irais pas essayer ça. Un animal en bas de 24 mois, donc en bas de 2 ans. 3 ans, c'est vraiment une bonne ligne directrice. À partir de ce moment-là, les femelles, généralement, sont matures sexuellement, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont nous donner une portée. Et les animaux que ça peut prendre 4 ou 5 ans avant vraiment d'avoir atteint un moment où eux vont décider qu'ils sont prêts, parce qu'à la fin de la journée, c'est pas nous qui décident, c'est eux. On a beau jouer les dieux un peu, mais ça reste qu'on travaille avec des animaux vivants et c'est vraiment eux qui vont dicter s'ils sont prêts ou non. Ensuite de ça, votre animal est à bonne grosseur, votre mâle est assez vieux, votre femelle est assez vieille, les poids sont bons, la maturité sexuelle est là. La question maintenant, c'est à quel moment est-ce qu'on reproduit nos animaux? On parle vraiment de saison souvent, c'est quelque chose qu'on va avoir très très souvent chez d'autres éleveurs, les breeding seasons, à savoir que la grande majorité des portées sont pondues au printemps vers le début de l'été, donc on parle de avril à juin, et donc les éclosions en général sont de juillet à septembre. C'est la saison générale qu'on va voir souvent au travers de l'industrie de l'élevage de Python Royal
au complet. La grande majorité des gens sait ces périodes-là, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la période pour vos animaux ou certains de vos animaux. Moi, ici, à DPR, j'ai des animaux qui vont reproduire tout au long de l'année. Ça fait, maintenant, c'est la première fois en ce moment que dans l'incubateur, j'ai aucune portée qui est justement en train d'incuber. Et j'en ai eu depuis décembre 2019 constamment. C'est pour dire justement qu'il n'y a pas une saison précise. J'ai des animaux dans ma collection qui vont aller à certaines périodes, donc des femelles qui vont aller très tard dans l'année et d'autres très tôt, tout dépendamment. Donc, par exemple, j'ai cette femelle Orange Dream Clown ici. Cet animal-là, elle est toujours continuellement à pondre très très tard. C'est toujours dans mes dernières portées de l'année. Et par exemple, cette femelle-ci, tu vois, elle a déjà pondu cette année. Cette femelle Black Pastel Hippo. Toujours, depuis les trois dernières années, c'est toujours la femelle qui donne la première portée de l'année. Et c'est très, très, très constant la régularité avec laquelle ils vont pondre à des dates similaires. Souvent, c'est quelque chose qu'on va observer au travers des années. Si vous regardez vos animaux, souvent, ben, tu vas avoir une femelle qui pond le 20 mai, l'année d'après le 23 mai, l'autre année d'après, ben, le 18 mai. Donc, c'est toujours dans les mêmes range de temps que les femelles vont pondre. Et ça, ben, c'est leur cycle à eux. Et avec les années d'expérience dans votre reproduction, dans votre élevage, vous allez commencer à comprendre un peu le tempo que votre collection d'animaux a face à la reproduction. Il y a des collections qui vont avoir toute leur portée très condensée, donc qui vont être très étirées. Moi, je sais qu'ici, c'est très étiré. Et honnêtement, j'aime ça comme ça. L'avantage, ben, c'est que j'ai des portées tout le long de l'année. J'ai des bébés à vendre pas mal tout le temps. J'ai toujours quelque chose qui sort de l'incubateur. Le désavantage de ça, c'est que mes mâles doivent travailler tout le temps un peu toute l'année parce qu'ils sont pas concentrés dans une seule période. Et là, si on parle de période, ben, la règle d'or, on parle vraiment de octobre à mars. C'est vraiment la température où on va descendre les températures. Donc, ça va être de stimuler une saison froide au travers de l'hiver. Et donc, en octobre, on va vraiment descendre les températures. Moi, ce que je vais faire, en fond, c'est que je vais descendre la température de jour d'environ 2 degrés Fahrenheit et la nuit de 6 degrés Fahrenheit au complet. Et cette descente de température-là, je vais la maintenir de octobre à mars. Et c'est vraiment là qu'on va avoir notre cycle d'hiver qui va vraiment stimuler nos femelles à grossir des follicules. Évidemment, en Afrique, il n'y a pas nécessairement le même style de cycle d'hiver, mais par contre, dans nos collections occidentales, c'est vraiment quelque chose qui marche super bien. Et pour ce qui est donc de la descente des températures, un mois après avoir commencé à descendre mes températures, c'est vraiment là que je vais commencer à mettre mes mâles avec mes femelles. Donc, ça fait un mois que les femelles ont un changement de température. Maintenant, on met un mâle et c'est là que le début du processus de reproduction s'enclenche. La période où les follicules à l'intérieur des animaux vont grossir. Les follicules sont donc, dans le fond, la première étape de ce qui éventuellement va être un œuf. Les femelles en ont à l'intérieur et quand on fait des échographies, ben, c'est ça qu'on regarde à voir, la grosseur des follicules. C'est ce que je note sur mes bines de serpent, la grosseur des follicules selon les mois. Donc, pour ce qui est des températures au travers de l'année, quand on n'est pas en hiver, le point chaud à l'arrière du bac, j'aime bien le garder entre 29 et 31. 31 étant un peu dans la partie chaude. Honnêtement, je pense que 29,5 à 30, c'est vraiment une belle température pour le point chaud. Et à l'avant, on parle de quelques degrés de moins. Donc, on va vraiment aller chercher quelque chose entre 25 et 26. Ça peut être un peu plus bas, ça peut être un peu plus chaud. Personnellement, j'aime bien garder mes animaux un peu plus frais qu'un peu trop chaud. Et ensuite de ça, quand on va donc dans la période hivernale, on va avoir une température un peu plus basse. On parle de quelques degrés de moins sur le point chaud. Donc, je dirais à peu près 1 degré de moins sur le point chaud et sur le point froid, même chose. Et la nuit, c'est là que les degrés vont vraiment descendre. On ajoute une descente de température d'environ 2 à 4 degrés, dépendamment de la manière que vous faites votre hiver. Et c'est vraiment ça qui a trait avec les températures. Et c'est la raison pour laquelle on a des bacs qui sont aussi longs. C'est que ça va vraiment permettre d'avoir un gradient de température entre le derrière et l'avant du bac. Donc, il est chauffé au derrière. Donc, le 1 tiers du bac, donc cette partie-ci, est plus chaude. Cette partie-là est plus froide. Ça permet vraiment à l'animal de réguler sa propre température, d'aller chercher de la chaleur s'il mange ou s'il développe et d'aller à l'avant pour vraiment prendre la partie plus froide. Et c'est vraiment l'atout d'avoir un bac plus long. Donc, c'est un petit peu ça au niveau des périodes. Et là, donc, la semaine prochaine, on va toucher qu'est-ce qu'on cherche à regarder, les signes
comment reconnaître où est-ce qu'on en est au travers de la période de grossissement des follicules, comment savoir à quel moment mettre le mâle et vraiment reconnaître les ovulations, la ponte, les mues avant la ponte. C'est tout ça la semaine prochaine. J'espère que cette semaine, les informations ont été très utiles. Si ça a été le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, allez voir notre page Instagram et Morph Market pour les animaux disponibles. Je vous dis à la semaine prochaine pour la partie 2 de 3 sur la reproduction des pitons royaux. Cheers!